Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Lost in Random live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! La première chose que je ferai, c'est de créer une règle qui autorisera à ajouter d'autres règles. Et si à chaque fois qu'un dé est lancé, tout le monde devait se mettre un doigt dans le nez, ou mieux encore, sur le nez à quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas assez de nez dans le monde pour ça. Réfléchis, maître des règles, réfléchis. Un petit effort, maître des règles, vous pouvez le faire. J'en suis sûr, n'êtes-vous pas meilleur? Mais meilleur, vous pouvez accomplir l'impossible 5 fois avant le petit déjeuner. J'accepte, bien sûr, et la reine me demande 6 fois l'impossible. Bonjour, je suis père. Père, mais oui, chaque résultat pair gagne un bonus de +1 quand les résultats impairs. Non, attends un peu, ça reviendra à transformer tous les résultats pairs en résultats impairs, en oubli. Attends, un peu, qui tu es? Tu viens pour la carte, je crois. Tu es la petite paire, n'est-ce pas? La chimiste m'a averti de ta venue, je suis désolé, père. La chercheuse de cartes, mais j'ai beaucoup trop à faire pour t'aider. M'aider? Personne ne peut m'aider. La reine insiste pour que j'exécute ses ordres personnellement. La question de sous-traiter mon travail. Constate-le par toi-même de nouveaux plans pour ces arènes démentes. À livrer le plus vite possible de nouvelles mécaniques pour les batailles et j'ai reçu la commande hier. Je dois livrer la semaine dernière. 5. J'ai 5 nouveaux robots avec des structures d'attaque robotique complémentaires. Et je voudrais bien t'y voir, moi, essayer de faire comprendre à la reine, à cette fichue mamie fortune, ou à cette maudite tête qu'elle exige l'impossible. Je suis peut-être un être ancien et mythique initié au mystère des règles insensées, mais je ne suis pas un dieu. J'ai hélas fini par l'accepter. Mais ce suscitait seulement de moi. Dis-moi, qu'en penses-tu? Je pense que non. Exactement, elle est sans contre-fiche. Bon, ta carte est sans doute là, quelque part. Je m'en occuperai dès que possible. Je vous en prie, c'est la carte de mes rêves. Visionna m'a dit que vous m'aideriez. Ah, parce que tu l'as vu lui aussi. Et qui a donc encore inventé cette fichue patate cosmique? Voyons un peu cette carte. Ah, parfait. Vraiment formidable. Comme si ma vie n'était pas assez démente comme ça. Cela dit, j'adore les défis alors, après tout. Très bien, je vais le faire. Et quand j'aurai terminé, j'enverrai ta carte au point culminant de Quintopolis. Le sommet de la cheminée géante. Vous ne pourriez pas me la donner tout simplement? Pourquoi pas? Mais non, c'est totalement illogique, comme tout le reste. La logique est morte le jour où la reine a volé le pouvoir de l'aléatoire. Une fois là-haut, moi et les autres faiseurs imprégneront les cartes de notre étincelle créative. Attention, la cérémonie ne doit surtout pas être interrompue. Puisque c'est la carte de mes rêves, elle fera tout ce que je veux, pas vrai? Écoute-moi bien, père. Contente-toi de nous retrouver au sommet de la cheminée. Ta carte, ce sera. Et si tout fonctionne comme prévu, tu auras très vite bien d'autres préoccupations. Oui, non, oui. Voilà. Ça pourrait fonctionner, oui. Enfin, ce qui est fait est fait. Et maintenant, file, j'arrive tout de suite. Tu ne peux pas y croire à quelle ville, n'est-ce pas? Toutes ces machines. Les habitants fabriquent eux-mêmes leurs cartes, ils ne les achètent pas. C'est mauvais pour les affaires. Cela dit, ils ne les ont pas toutes. D'ailleurs, en parlant de cartes, que dirais-tu d'un petit échange?
Invoque une plateforme des dés, montez dessus pour changer et lancer votre dé afin d'obtenir toujours le meilleur score. Et retirez après une minute. Présentez le Nyperdifilie, père de ce mélançant sillage, les graines des instruments. Mais quelle ville! Oh Dieu, ce créature avait bientôt compris qu'elle aurait bien fait de respecter ses pères et de ne jamais défier les sarins. Père, par ici. La cérémonie commence. Il en arrive d'autres, mes amis. Repousse-les, nous devons nous concentrer. Protège-nous, petite. Je t'en ai sur la fin de l'histoire. Vous voyez ça? Père mourut seul et oublié de toute fin.
and died alone and unloved. The end. I've never seen an ending so accurate, while at the same time also being so deeply satisfying. Was about to end. All she was doing was delaying it. All she was doing was buying herself more punishment. A little girl, lost against a swarm of robots. She deserved to die. She earned it. Et un tabarnak. Herself ending, and to her horror, she welcomed it. Get him, Dicey! Over here, Dicey!
Je suis trempé de cartes, ça a fucké mes affaires.
C'est terminé, petite Danielle. Nous avons réussi. Maintenant, c'est à toi de jouer. D'autres mots arrivent, petite. Mais comment fonctionne la carte? Vous ne pouvez l'utiliser que dans tes rêves, petite. Vous voulez dire que je dois dormir? La carte de mes rêves, je comprends. Faut juste que je m'endorme. Allez, père, tu peux y arriver. Suis le conseil d'Uma. Inspire. 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 Décidément, tu es coriace. J'ai peut-être choisi de mauvaises sœurs. Non, elle aussi, elle serait venue vous botter les fesses. Non, mais comment? Vous êtes dans mon rêve, misérable marionnette. Et vous ne me faites pas peur. Prenez vos affaires et fichez quand. Tu vas regretter. Vous le regretterez tous. Mon dé, dès que j'aurai récupéré mon dé, c'est la fin, ne compte pas sur le dé, majesté. Votre destin est déjà décidé. Cette peur que j'avais en moi, elle est partie. Je ne sais pas, il manque toujours quelque chose, Decise. Je crois qu'on avance dans la bonne direction. Wow, je n'ai jamais vu un truc pareil. Quelque chose cloche, mais nous sommes forcément au bon endroit. La grande porte de Sixtopia. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne comprends pas. Il y a erreur, non? C'est peut-être une fausse Sixtopia conçue pour désorienter les envahisseurs. Je n'arrive pas à y croire. C'est un merveilleux dont les parents nous rabâchent ça depuis notre naissance. C'est juste un gros mensonge. C'est tout du carton. Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. C'est bien, mais qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Tu es vraiment incorrigible. Bonjour, mes mignons.
Bonjour, Charles. Vous êtes très en beauté aujourd'hui. Je suis toujours la même vieillard que d'habitude. Merci pour tous ces gentils mensonges. Tu es là aussi, Albert. Salut, l'étrange. Je suis un personnage en carton sans cervelle. Et je suis le bout de l'hémisphère. Parce que je suis un pauvre imbécile qui ne tient même pas debout. Oui, oui, Albert. Tout le monde connaît ton histoire par cœur. Excuse-moi, Charles. Charles? Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est vous qui vous occupez des silhouettes en carton? Cutouts? Et wow, voilà une drôle de façon de parler de soi. Don't be rude. Quelle grossièreté! Et puis, est-ce qu'une silhouette en carton se mettrait à parler au bout de 5 ans? It would not. Bien sûr. Et puisque vous me parlez depuis le début, chérie, je sais qu'avec vous, il ne faut pas se fier aux apparences. Même si ça perd la tête avec ce pauvre Albert là-bas. Ah, tu adores ça, avoue. Je ne suis pas une silhouette de carton, je suis une vraie petite fille. Mais bien sûr, évidemment, tout est vrai ici. Non, je veux dire, moi, je suis bien réel, mais à part vous, tout est faux ici. Tu veux dire que je ne suis pas réel? Regarde un peu ce que tu as fait pour Bedelia et tout chamboulé, ça pourrait aller. Ça va aller, Bedelia. Elle est méchante, la petite fille. Je sais, je vais lui en parler, d'accord? Mais je te rassure, tout est vrai ici. Vous êtes seul? Je suis entouré d'amis. I'm surrounded by friends here. There's Bedelia, Claude, Claude 2, Gros Câlin, Boule Noire, Gros Jean, Petit Jean, Moyen Jean, L'Odieux Albert, Boeing, Boeing, les jumeaux beurre et confiture, Pierre, Pierrot, Pierrot la lune, Pierre qui roule, Pierre à feu, Pierre. Ah bref, je ne veux pas te donner des noms de tout le monde. Nous sommes tous ici depuis toujours. Quel est votre souvenir le plus ancien? Tu ne parles pas comme les autres. Ça, c'est sûr. Tu ne trouves pas ça louche, Charles? Moi, je trouve ça louche. Non, tout va bien. C'est bien d'être curieux. Mais chérie. Mes plus anciens souvenirs. C'est le jour où ma tête est tombée pour la première fois il y a 40 ans. Non, c'est le jour où je me suis marié avec Madeleine il y a 50 ans. Non, c'est plus ancien encore. J'étais qu'un enfant. Just a child, really. Mamie Fortune est venue me chercher dans son chariot araignée. Elle m'a déposé ici et m'a dit que mon seul but dans la vie était de m'occuper de ses accessoires. Elle m'a dit que je ne serais jamais rien de plus qu'une concierge oubliée. Après ça, elle est partie pour ne jamais revenir. Et depuis ce jour, je vis ici, tout seul. Was live here alone, so désespérément alone, seul, entouré de ce. Surrounded only by these parodies et ces parodies of de vie qui me marquent jour après jour. Avec leurs traits sans âge et leurs sourires figés. En tout cas, c'est ce que je pensais jusqu'à ce jour, il y a 5 ans. Vous avez ouvert, tout a commencé à parler. Et maintenant, tu es un vieillard entouré d'animaux immortels. Et c'est bien vrai, mes petits chéris, j'en ai la chance. Je suis même un sacré vénard. Personne ne vient jamais par ici. Jamais. On en voit qui passent des fois. Ça ne compte pas.
Il va à la tour. Ça suffit. Je ne veux pas en parler. La chariot de mamie passe par ici pour aller à la tour. Plus le chariot avance, moins on entend les enfants. Et après, on ne les entend plus jamais. Oh, comme j'aimerais aller les voir dans la tour. Comme s'ils doivent bien s'amuser en silence. Les enfants, ma sœur aussi a été enlevée. Dans ce cas, elle doit passer ses journées à jouer dans la tour. Quelle chance. Mais pourquoi la reine demanderait-elle à Mamie Fortune de lui amener une silhouette à carton? Ce serait bien la première fois. Peut-être qu'elle n'est pas vraiment une silhouette à carton. Non, non, c'est une... Mais elle est perdue la tête, je ne veux pas la contrarier, c'est tout. I'm humoring her, see? Tell me about Parle-moi your sister, ta sœur, lovely. Petite. Elle s'appelle Impère et j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. What? Impère, ce that nom? Name. Yeah, where ce nom m'a dit quelque chose. Oh, ah, mais yes, oui, Impère, la reine nous a fait l'honneur de sa présence il n'y a pas si longtemps. Elle était accompagnée d'une petite fille, elle s'appelait Impère. Ça me revient maintenant, elle portait un masque blanc. Elle avait l'air étrange. Étrangement heureuse, en effet. Comme nous tous. Bien sûr, elles n'ont pas eu le temps de s'arrêter, la reine est très occupée. Mais elles sont parties par là. Dans ce cas, c'est par là qu'on doit aller. Merci à vous tous de votre aide. De rien, nous te remercions tous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est chouette d'avoir de la compagnie. C'est chouette de voir un nouveau visage. C'est chouette de ne pas être complètement oublié. Et au fait, passe le bonjour à la reine de ma part. Appelle-lui mon existence. Je suis toujours là. C'est horrible, on dirait des glaciers entièrement composés de désespoir. Tu n'es pour rien, l'ami. Nous y sommes, la tour Impère est à l'intérieur de Cise. J'en suis sûr, elle est forcément là. Nous sommes allés si loin, n'est-ce pas? Mais jusqu'à là. Your house of cards will never fall down when you've built it with Manny's help. Thank you.
Bon, j'aurais pu frapper là-dessus tantôt. Pas tard pour vérifier. I've got cars to trade. Don't you want to follow suit? I know you do. All bets are off when you've got a new card from old Manny Dex, Esquire.
better off when you've got a new card from old Manny Dex. This one. Mate, let's trade cards. Sometimes I feel like it's my sole purpose in life. Oi, oi, looking to get an invincibility potion, are you? Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. Now, there's the face of a girl who wants to trade cards. And I've got good news for you. Ne tombe pas. C'est l'arrêt brutal à la fin qui m'inquiète. I feel it too, Dicey. You get close to it and it's like every bone in your body is warning you to keep away. The goo, almost was like ah bon, elle est presque vivante, enfin, elle est peut-être vivante autrefois.
Et voilà. Voilà, c'est vous. Vous êtes la triste. Voilà. Seymour. Voilà. Is he? Est-ce qu'il est? You're alive. Vous êtes vivant. Ah, c'est toi, père. Je me repose un peu les yeux. Seymour. Voilà vos eyes. Yeux. Cette fois, on m'a rien laissé. On m'a pris tous mes yeux. Je veux vous sortir de là. Non, père, tu ne peux rien faire pour moi. Ils sont trop nombreux. On ne pourra jamais. Cours, père. Thank you.
encore plus brave que je pensais, père. Mamie Fortune va payer pour qu'est-ce qu'elle vous a fait. Comment sais-tu que c'est Mamie Fortune qui m'a capturé? C'est soit elle, je vous ai vu en rêve. C'est bien gentil à toi, père, de veiller sur le vieux bois loin, même dans tes rêves. Elle m'a attrapé à quatre bouts pour m'interroger à ton sujet. Mais je n'ai pas craché le morceau, père. Je lui ai dit que je m'appelais Voix Loin, pas Parle Plus. C'est à ce moment-là, qu'elle a commencé à m'arracher les yeux. Et toi, père, je croyais que tu devais rentrer chez toi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réalisé que... Que mauvaise ou pas, un père et ma sœur, et elle a besoin de moi. Que toute cette histoire ne concerne pas que moi ou ma sœur. Que l'emprise de la reine sur le monde n'a que trop duré, j'ai bien l'intention d'y mettre terme. Que je pouvais rentrer chez moi et mettre une vie misérable ou bien me battre pour mes convictions. Elle me pense que tu es capable de révéler les défis, père. La reine est plus puissante que tu le penses. D'après ce que j'ai pu entendre, ta sœur a changé. Tu raisonnais pas la reconnaître. Je suis désolé, père. Désolé pour tout. Les adultes ont mis le monde sans dessus dessous et c'est à toi, une enfant, de régler le problème. Une simple enfant contre la créature la plus perverse, la plus dangereuse d'aléas. Ce n'est pas juste. Pardonne-moi, père. Je ne peux pas rien faire pour toi. Il y a toujours de l'espoir, au loin. C'est vrai, oui, je ne sais pas ce qui est arrivé à ta sœur, mais je crois que tu peux encore la sauver. Sois prudent, tout de même. Je ne peux plus rien faire pour toi. Tu vois bien dans quel état je suis. Ce drôle d'œil magique pourrait vous aider, peut-être. C'est un faiseur de cartes qui me l'a donné. Oh, thank you. Merci. All we have to do is survive Nanny and the Queen and her minions, and we'll fix everything. Let's go. Seymour, you're in no condition to fight. You need to rest. Vous devez vous reposer. I can't let you do it alone. Je ne peux pas laisser y aller seul. I'm not alone. Je ne suis pas seul. Seymour. Pas loin. Quand toute cette histoire sera terminée, il y aura toujours une place pour vous en une ville. I'd like that. C'est très gentil, père. Je suis censé trouver quelqu'un ici. Je ne sais pas, Dizive, mais que ce soit par ici, je ne le trouverai. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Lost in Random, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!